Carat, c'est un de mes amis. Ça fait des années que je le connais, tu comprends? Ouais. Et puis Carat, c'est un très, très bon garçon. Quel genre de gars, c'est ça? Ben, bon gars, monsieur. Moi, je me rappelle, j'allais à l'école avec lui, d'ailleurs. Ah bon? Carat, de dire smat, tu sais, tout ça. Moi, je me rappelle quand j'allais à l'école, je veux dire, je transportais ses livres, lui transportait ma boisson, tu sais. Il a commencé de bonne heure, là. Ben, bon gars. Et puis Carat, quoi que c'est un gars qui a un assez bon job, tu sais. Qu'est-ce qu'il fait, au juste? Puis il travaille sur une petite camionnette, là, tu sais. Camionnette. Tu sais, les camionnettes pour aller vendre des choses là, dans les constructions. Ah, une cantine mobile. Oui, ouais, il fait ça, tu sais, puis ça l'amuse, tu sais. C'est un gars, c'est débrouillard. Et puis naturellement, ben, Carat, c'est un gars qui a du talent. Il va dans les chantiers partout. Ah, partout, monsieur. Et puis naturellement, justement, son patron a beaucoup de respect pour lui. Ouais. Si des fois, ils ont des gâteaux qui sont secs un peu, tout ça, il est pas sa Carat. Ah bon? Non, mais c'est vrai, Carat, il y a un don pour ça. Lui, il passe tout ce qu'il y a à vendre, monsieur. Et puis, naturellement, c'est un job qui n'est pas tellement payant. Non. Mais Carat, c'est un gars qui est réveillé. Ça doit. Oui, ça veut dire qu'il y a un petit sideline là-dessus. Hein? Comment ça? D'ailleurs, tu as remarqué les camions sur ces choses-là. Ouais, ouais. Il y a plusieurs petites portes. Hein? Une petite tablette, petit tiroir. Ouais. Lui, Carat, ça veut dire qu'il apporte ça, il y a un petit compartiment, il vend des peignes, brosse à dents. Ça se mange pas, mais c'est commode. Oui, oui. Lame à rasoir. Ah, la petite ballonne blanche. Hein? Quoi? Ouais. La ballonne blanche. Qu'est-ce que c'est, les ballons? Ça ne demande rien, là, maintenant. Hein? Qu'est-ce que c'est, les ballons blanches? Devriez vous faire opérer pour la vasecte, vous. Ça a-tu rapport avec la ballonne blanche? Non. On peut mettre la ballonne rouge. Quoique, ça a un gars l'air libéral. Et lui, il vend toutes sortes de choses comme ça. Des petits ballons pour jouer, là. Là, pour ça, il faut que tu lui donnes ça. Tu sais, naturellement, à un moment donné, arrive l'automne. Ouais. Et t'arrives sur les constructions, c'est pas chaud. Non. Mais Carat, il se traîne toujours une petite bouteille de London Dry Gin de Corby's. Tu sais? Ah, c'est pas un fou, ça? Là, il met une petite shot dans le café, puis les gars, comme ça. Tu sais. Un petit pouce café? Non, franchement, il faut que tu lui donnes ça. C'est un gars travaillant, tu sais. Ouais. Pas un gars propre. Propre, monsieur. Propre? Ah, monsieur. D'ailleurs, tous les soirs, avant de rentrer au plan, là, ouais. Avec son camion, là, il arrête chez Thérèse. Thérèse, c'est sa petite amie. Ah, oh, sa blonde. Hein? C'est sa blonde. Ah, oh, ça fait 2 ans qu'elle reste avec. Ben oui, c'est son amie, c'est sa blonde. Ah, ouais, eux autres sont à côté, tu sais. Ah, ça dit, tu veux dire qu'ils vivent en concubinage? Oui, ils restent avec. Ben, c'est ça, s'ils restent avec, ils restent quand t'es pas uni par une personne, par les liens de matrimoniaux, oui. C'est parce que t'es en concubinage. Oui, il reste avec elle, lui, ça fait 2 ans. C'est le valeur qui est nié jeune même. Je ne suis pas pour t'expliquer ça toute la soirée. Ben non, en tout cas. Bon, ils sont à côté. Ils sont à côté en concubinage. Bon. Puis Thérèse, c'est une femme propre. Ouais. Tu sais, le Carat, avant de rentrer au plan, lui, il arrête toujours à la maison voir Thérèse pour lui dire bonsoir vers les 4 heures. Ouais. Puis là, monsieur, elle, il nettoie la boîte, ça, faut dire. Quoi, comment ça? Ben, la boîte de son camion. Ben oui, je sais bien. Tu sais, il y a toujours des petites miettes là-dedans, pis ça. Ouais. Des balances de gâteau de 3 jours. Puis elle a tonne de suction, Thérèse. Hein? Ben, c'est-à-dire la balieuse. La balieuse, ben explique-toi, ouais. Là. Bon. Quoi, il y a 2-3 jours, en siphonnant, en bloquant la balieuse. Elle savait pas qu'il y avait de la ballonne blanche. Ah, ah oui, puis quand ça bloque. Puis ce qui est assez drôle, elle est en train de faire le nettoyage dans la boîte du camion de... Oui, de Carat. Carat. Et puis, imagine-toi donc qu'à un moment donné, il est arrivé un vendeur de balieuse. Ouais. Qui voulait vendre une balieuse à Thérèse. Ouais. Elle a parti à rire. D'abord, la balieuse, c'était pas elle. Elle avait après descendre dans le Chartrand. Sa voisine. Oui, elle dit, moi, c'est pas de mes affaires, j'ai mieux d'y en vendre une, parce que celle-là commence à aller bien mal. Il est en débrouillard de nous. Fait que là, je dis, Carat, comme je te disais, il arrêtait là tous les soirs, faire nettoyer sa boîte, tout ça. Puis, tu sais, un beau camion. Ah ouais. Propre, monsieur, les noix chromées. Hein? Pas Carat, le camion. Mais ouais, je sais bien, c'est le camion. C'était un gars qui avait soin de son camion. Ouais. Tu sais, il était bien installé, ce camion-là. Tu sais, il y avait un radio là-dedans, là. Ouais. Pour communiquer avec le plan. Pas un chose émetteur. Hein? Un radio émetteur? Non. Ah, la radio, oui. Bien, franchement, c'était un très bon système, hein? Ben, ça te va. Puis, il téléphonait à son boss, là, puis il m'a dit une chose, là, on les entendait parler à la perfection. C'était clair? Ouais, oh, c'est clair, monsieur. Ouais. Oh, tu sais, c'était pas organisé comme dans le char de Claude Poirier, là. T'entendais parler. La diction est de meilleure. Hein? La diction est de meilleure. Oui.
Puis vous dites, Corrad, lui, c'était un gars, vous dites, quand il a fini de travailler, il rentrait direct au plan. Tu sais, t'as pas l'idée d'embarquer des petites filles dans son camion, faire les discothèques. Non, non, lui, il arrivait direct au plan. Ouais, et puis, imagine-toi donc qu'un séjour, il est arrivé une aventure assez extraordinaire à Corrad. C'est qu'il a reçu un call dans son camion. Ah bon? C'est son patron qui le faisait demander à l'usine. Oh, oh. Là, Corrad a pogné une arche, monsieur. C'est bien assez, oui. Il dit, ça y est, je perds ma job, Thérèse a fait un mauvais ménage dans la boîte. Ben, c'est des choses qui auraient pu arriver une journée à négligence. Pas Corrad perd pas de temps, monsieur, saute dans son camion, puis là, Corrad s'embraye. Je veux dire, le camion? Ben, oui, il embraye le camion. Ah, c'était un 3 vitesses d'avant. Ah, toi, ouais? Ah, Corrad, c'était pas un gars vite, lui. Comment, 3 vitesses d'avant? Il y avait 2 vitesses, lui. Arrêté, puis sur le bœuf. Corrad rentre au plan, monsieur, puis ça valait que les gars étaient au courant de l'affaire, moi, tu sais, tout le monde, je suis Corrad, bonjour, comment ça va? Ça a l'air que le patron veut te voir, que Corrad filait un peu mieux. Ouais, ouais. Fait que Corrad monte en haut, moi, tu sais, puis il rencontre son patron, l'a énervé un peu, puis Good Bread, son patron. Good Bread? Son nom, Good Bread. Ah, Good Bread. Il était bon comme du bon pain. Corrad arrive dans le bureau, puis Good Bread, il dit, c'est un anglais, hein? Ouais, ouais. Et dit, mon cher Corrad, je voudrais te parler une chose, je voudrais te parler à propos de ton boîte de camion. Puis la manière que tu fais les ventes sur la route. Wow! Fait Corrad, à un moment donné, il t'énerve un peu. Il dit, ça y est, je perds ma job. Mm-hmm. Il dit, Corrad, ça fait assez d'années que tu travailles dans la maison. Et je vais te dire une chose, je te fais une promotion. Ah bon? Il dit, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas être en charge de toute la flotte. Ah, il y avait des bateaux. Hein? Il y avait des bateaux. Non, la flotte. La flotte de camions. Ah, oh, toute l'ancienne. Ouais, remarque bien, je te blâme pas d'arriver à faire une réaction. Non. Parce que lui, Corrad, veut dire, quand il a compris, flotte, il savait pas trop si c'était. En tout cas, Corrad était très heureux de ça. Je comprends. Là, à un moment donné, il s'est mis à prendre un verre avec Good Bread. Ouais. Un appelle 2. 2 appelle 4. 4 appelle 8. 8 appelle 16. 16 appelle 32. 30. Il était pacté tous les deux, les yeux dans le crin. Ah bon? Là, Corrad perd pas de temps, on va dire. Puis justement, tout en parlant de ça avec M. Good Bread, le curé se trouvait dans le bureau. Ah, il y avait un curé. Ben oui, le curé de la paroisse, un bon gars, monsieur. Ouais. Corrad dit, moi, je vais vous dire une chose, je vais aller annoncer la nouvelle à Thérèse. Oui. Puis il dit, là, je suis sénère, je sais pas trop de quelle manière il annonçait ça. Ça va que le curé, tiens, écoute bien, dit, mon petit Corrad, mais il est avec toi. Ben, je l'ai embarqué dans mon camion, monsieur le curé. Je dis, non. Il dit, m'apprendre ma propre voiture. Ben, là, monsieur Corrad saute dans son camion, monsieur. T'aurais dû voir tourner noir, monsieur. Ça fait briller aussi. Et le curé suivant en arrière, il rentre dans une curve, monsieur. Ouais. Là, le curé donne un mauvais coup de roue, il débarque du char complètement sur la route. Oh non. Là, le curé a fait 2-3 tours. Le Corrad a mes freins. Ouais. Il va voir monsieur le curé, il dit, avez-vous quelque chose? Il dit, non, absolument rien. Il dit, tout est parfait, mon petit Corrad. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, je voyage jamais tout seul, je voyage toujours avec Dieu. Ben, j'ai de mieux de l'embarquer avec moi, il va avoir un accident certain, lui.